Lundi 7 mai 2018, bonsoir tout le monde, bienvenue dans Téléjournal Lens ou Télévision Nationale d'Haïti, mais un grand point qui pourra le dominer actualité. Sous initiative Fédération nationale Femmes magistrats haïtiens, FENAFEM, un forum deux jours l'ouvrit lundi 7 mai à Nantes-Pétionville pour femmes élues. Lancement forum ça lancé en présence président République Lan, ministre intérieur à collectivité territoriale Lan, ministre conditions femmes à droit femmes Lan, président Sénat République Lan avec diverses autres autorités. Dans le cadre de caravane changement, président Jovenel Moïse, visité pendant le week-end passé, travail construction route Pestel dans Grandance, à travail curage rivière Momans dans Léogane, dans le département l'Ouest. Dans l'occasion journée communale patrimoine dans la commune Carrefour, plusieurs élèves et directeurs à l'école commune Silla participé lundi 7 mai dans une journée débat. Premier ministre Jacques Guy Lafontaine, accompagné ministre Tourisme Colombe Émilie Jessiménos, avec plusieurs élus dans le département Latibonite, visité pendant le week-end long palais 365 potes dans la commune Petite Rivière de l'Artibonite, à la commune Marchand-Dessalines. Ministre Tourisme Colombe Émilie Jessiménos, poté précision sous campagne. Affaires touristes, c'est affaires tout le monde. Pendant que tu as participé aujourd'hui à la 41e conférence lundi de la presse, ministère communication organisé. Collège canado-haïtien organisé pendant le week-end là, 3e édition salon compétences à compétitivité LI. Et puis une actualité en sous-plan international, président Vladimir Poutine prêté serment pour un 4e mandat dans tête pays, la Russie, lundi 7 mai. Cérémonie investiture déroulée dans le Kremlin en présence 5000 invités. Amis téléspectateurs, pas déplacés, n'a pas retourné tout de suite à développement journal là. Il faut encore saluer et puis remercier tout le monde qui branche téléjournal Lens ou télévision nationale d'Haïti. N'a pas démarré tout de suite avec téléjournal Lens en page météorologique là. Diverses régions jouent en pile de l'eau, ça qui baille en pile que sauter par rapport à l'environnement pays nous. Qui ont situation et en page météorologique là pour semaine ça, particulièrement pour Assouya. Collaborateur nous, Wilner Polidor, pral di nous plus. Bonsoir Wilner. Salut à tous et à toutes, c'est un plaisir pour nous ensemble jeudi à nous, lundi 7 mai 2018. Merci pour fidélité. On a comment condition météorologique là. Te gen en pile la pluie semaine passée, disons pendant week-end là aussi, gen en pile zone qui inonde même si activité la pluie a commencé réduit, mais toujours gen possibilité pour gen la pluie avec inondation même si c'est pas gros inondation et on a voir comment situation est. Nous avons un chrono qui a généré vraiment un temps instable sur le pays d'Haïti avec un peu de la pluie l'orage. Il est décalé vers Cuba, mais passager sur le pays d'Haïti qui était en pile humidité. Et Januel sous 4 TPWA, pays a toujours en bas instabilité. Et dans ce sens, encore aujourd'hui, on a battu avec quelques activités de la pluie sur plusieurs départements et régions nord, en parlant de nord-ouest, nord-nord-est, à concerné par. Activité de la pluie pour aujourd'hui, l'Artibonite et le centre aussi, département de l'Ouest encore en bas menace la pluie et l'extrême sud-est, en parlant de Jacmel, zone Bélance, nous avons Jean, activité de la pluie, yo même yo très intense dans zone ça jusqu'à 70 à 120 mm la pluie capable de tomber dans zone ça. Et en ce sens encore, nous demandons aux populations qui sont dans la zone ça précaution avec prudence parce que encore aujourd'hui, la pluie a tombé sous pays à si tout en fin d'après-midi, en soirée et au cours de nuit là et j'en vois sous cadre de précipitation la Grenasse, le sud de l'année puis toujours une possibilité pour gagner activité la pluie même si activité ça a réduit par rapport avec zone de haute pression qui commençait à arriver sous nous mais pour Assoya
encore et au cours de nuit là la pluie encore était possible sous pays d'Haïti. Jean Noël sous 4 de saturation de sol, ça veut dire que côté sol là toujours plein avec l'eau jusqu'à 90%. Les zones ça vers le sud, faut surveiller et être actif parce que toujours des possibilités pour gain inondation. Pour capitale là avec zone qui environnée son capitale qui toujours en bas instabilité et encore aujourd'hui à même si a bien soleil mais la pluie convective, ça veut dire brise de mer cap mêlée avec réchauffement journée hein, capable générer quelques averses tapis sous majorité quartier qui dans département de l'Ouest là et la pluie ça y a possible en fin d'après-midi en soirée et au cours de nuit là température a monté jusqu'à 34 degrés jeudi et puis par la descente au cours de nuit là c'est 22 degrés Celsius. Pour la mer, c'est une mer qui agite non seulement sous côte nord, pays d'Haïti, Jean-Noël, la côte sud aussi, mais golfe de la Gonâve, c'est une mer qui peut agiter. Mais par rapport avec l'activité de la pluie qui prévoit, la visibilité a réduit, nous avons des populations, ou bien captain d'embarcation, prudence avec précaution par rapport avec la pluie, avec l'orage qui a gagné sous pays. Et pour page astronomique, nous avons soleil qui a couché jeudi à 7h13 et la pluie demain matin à 6h19. Mesdames, Messieurs, merci pour fidélité avec attention. N'a pas croisé demain pour l'autre page météorologique. Et puis, je nous souhaite annoncer dans grand titio sous initiative Fédération nationale Femmes magistrats haïtiens, FENAFEM. Il y a un forum de jours, l'ouvrit le 17 mai à Pétionville pour femmes élues. Lancement forum s'est déroulé en présence président République Lan, Jovenel Moïse, ministre intérieur à collectivité territoriale Lan, Jean-Marie Rinaldo Brunet, ministre conditions femmes, Agdoa Femme Lan, Eunide Innocent, président Sénat République Lan, Joseph Lambert, ambassadeur pays la France Lan en Haïti, Elisabeth Beton Délègue, avec diverses autres autorités. N'a invité nous suivre un reportage avec collaborateur Nouyo, Esaïe Aurelius et puis Henri Robert Chéri. Forum ça visé faire promotion droit femme et puis créer moyen pour permettre mesdames yo joindre plus place dans espace décision yo. Yo environ 2000 femmes élites qui sorti dans 10 départements pays ya, qui viennent participer dans activité ça. Pendant des journées, mesdames ça yo doit réfléchir sur ensemble point qui représenter barrière avancement femme dans société ya, et spécialement dans espace politique yo. Président Fédération Nationale Femmes Magistrats Haïtiens, Rosemila Petit Frère Saint-Ville, dans l'occasion, fait diagnostic situation familiale et puis souhaité jouer une solution à certains points après forum. Il faut que le service public soit décentralisé pour besoin de la population capable de satisfaire parce que vous payez taxes. C'est toute qualité de service qui concerne santé, état civil, l'hôpital. L'école fondamentale, l'école professionnelle, l'eau potable, aménagement territoire, construction espace public, abattoir, marché public qui respecte intégrité, dignité, quoi, femme yo, électricité, route agricole à communale et latrier. Ministre yo qui la, parlementaire yo. Nous vivons nous faire dans 10 départements pays pour nous planifier le forum. Mesdames, vous demandez pour nous faire baptiser tout le monde, tout en réalité. Et nous-mêmes, dans la collectivité territoriale, nous parions pour nous jouer un rôle par nous là-dedans. C'était la première action nous engagée dans la création de FENAFEM. Président Sénat République là, Joseph Lambert Soubopal souligne l'importance lit mesdames yo dans démocratie ak pour tabli yon société diam. Sénateur Lambert promet pour porter support parlement bay femme li yo pour aider yo atteindre objectif yo. Débat doit fait kounye parce que nan fin année législative année prochainement proposition amendement à constitution a fait. Et par conséquent, vous avez joint moi encore bon côté sénateur, bon côté tout élu dans la collectivité pour nous conduire bataille ça. Président de la République là, Jovenel Moïse, dit le conscient quand il était revendication familiale. Chef de l'État, quoi, femme yo doué, commencer à jouer rôle depuis jeudi
pendant le fait qu'on est, li engagé le bon côté dans toute démarche. Je réussite un foyer, l'ichita sous un potomitan. Potomitan, c'est femme. Mais quoi que pays ça, si nous besoin Haïti meilleur dans 25 ans, c'est jodi a pour mesdames yo commencer jouer rôle yo, c'est pas demain. Pas une génération spontanée. Ça veut dire bataille ça c'est pour bataille qui petit, bataille pour mesdames jeunes droit. Mais connait jodi a nous gon monde qui dans tête pays a qui paraît pour faire goumen ça ensemble avec nous. Mais pour le fait, li manda pile compréhension, li manda pile sans foi tout. En pile sans foi pour qui ça, c'est parce que quand pile moun parfois qui utilisait revendication nous pour régler fait par eux. Jean et décentralisation, c'est thème qui choisi pour déroulement premier forum international Famili yo. Une activité qui joint si pour l'État haïtien, ambassade Canada avec la France et puis IDEA international. N'a pas poursuivre pour nous faire qu'on a un premier ministre Jack Guilafontaine avec ministre touriste Émilie Jessie Ménos avec plusieurs élus dans le département Latibonite visité pendant week-end long palais 365 portes dans la commune Petite Rivière de l'Artibonite avec marchand des salines. Dans l'occasion, premier ministre l'a ramassé doléances autorités dans zone lent sous divers problèmes population a confronté tant coup problème de l'eau potable, courant et infrastructure. On suit. Visite ça a fait dans objectif pour premier ministre haïtien constater niveau avancement travail rénovation ISPA a réalisé dans site touristique ça. C'était occasion pour responsable dans zone là présenter gros problèmes qui gagne dans commune touristique ça tant coup infrastructure routière, problème de l'eau et électricité. Problème électricité depuis tantôt 7 ans qui pas jamais gagne dans ville là. Bon c'est tout récemment moi-même vice délégué sénateur Gassadelva qui détruit là qui parle là nous avons tête à tête avec le président, elle était venue visiter base CNEA, nous avons essayé de poser problème et puis nous avons dit que nous avons un mondial qui peut arriver devant nous. Le mondial est arrivé devant nous parce que nous n'avons pas qu'à prendre le mondial là sans courant parce que la population elle-même n'a pas accepté le comme ça. Pour ces génératrices pour y balancer ou bien encore devant porte l'autre caille pour y regarder la Coupe du Monde. Bon, elle te promet nous, elle te dit, l'a fait ingénieur Jacques Thomas vini dans la mairie pour nous essayer ensemble de poser problème, nous faire un diagnostic de commune et puis pour nous, dans peu de temps, pour nous avoir un problème qui est plus urgent pour nous être capable de résoudre. Si ça a 5 ans depuis ce pas responsabilité pour le restaurer, il était campé, c'est une bataille moi-même, député commune, qui est fait au niveau du ministère de la Culture avec le directeur ISPAN pour le travail de recommencer. Et dans même quatre batailles ça yo que pouvoir en place là pour une responsabilité pour continuer et yo vienne évaluer et na jo cap venir là pour yo mettre les bouchées doubles pour assurer nous que yo fin restaurer par les 35 portes. Ministre touriste là Émilie Jessie Colombe Ménos annoncé ministère touriste a partenaire li pour le travail pour évaluer possibilité qui gagne pour exploiter site touristique ça yo pour rendre yo plus rentable pour l'état. 214 ans après nous est dans qui état que yo est. Et bien sûr, au niveau du ministère de la Culture, il y a l'Institut de sauvegarde du patrimoine national. Mais en réalité, toute force et tout monument ça ont un seul objectif final, c'est une exploitation touristique. Parce que vous regardez tout ça qui a été construit dans l'autre pays, ça a 200 ans, ça a 300 ans. Vous regardez, c'est toujours pour touristes venir, touristes venir visiter, touristes venir faire photo, ou montrer la caillou pour montrer l'autre famille qui a visité ce site. Donc, pour nous-mêmes, au niveau du ministère du tourisme, nous avons réfléchi à ça. Et d'ailleurs, c'est le premier partenaire, c'est le ministère de la Culture. Tout, parce que nous regardons ce site, nous avons exactement qui travail qui mérite fait. Bien sûr, nous avons un inventaire de tout site ça qui était fait à peu près de 200 monuments et sites historiques qui était fait déjà, mais cependant faut que nous connaissions aujourd'hui qui est-ce qui va l'exploiter, comment que le ministère touriste capable d'exploiter au mieux pour capable venir rentable pour la population d'abord, pour l'État avant, population ensuite. Premier ministre Jacques Guilafontaine qui t'a montré l'importance site touristique ça pour l'histoire promet le gouvernement après le travail pour répondre à la revendication de la population dans la zone Sahel. Chef gouvernement a rappelé si le touristique Sahel doit servir comme exemple pour la reconstruction du pays. Nous-mêmes, Haïtiens, nous faisons pour un peuple fier.
nous faisons pour un peuple qui remet le pays nous. Nous faisons pour un peuple qui a une vision pour le pays nous. Parce que l'avenir nous, il n'est pas dur. L'avenir nous, c'est en Haïti que dire. Combien pour nous rénover ça? Pour estimation que tu as fait, parce que le premier travail qui était fait sous le président Martelly, mais depuis lors, tout le bagage est suspendu, nous connaissons une transition. Comme il nous faut seulement, à l'époque, il était évalué à 12 millions de goudes, qui ça ne va pas faire là? Nous avons besoin de tant d'étrangers pour venir. Est-ce que l'étranger est venu aider nous pour nous décabattre ça? Donc, ça, immédiatement que nous sommes ici, hein, nous allons chita pour nous faire d'abord, qui j'en nous restaurer? Deuxièmement, qui j'en tout? Que nous avons mis sous pied un plan de gestion pour nous gérer. Gérer pour nous qui gens que là a fonctionné, mais tout faut nous suivre tout aux alentours de nous. Palais 365 portes dans Tirivière la Tibonite avec Forjac et Alexandre dans Kenskoff, c'est deux parmi diverses forts qui sous contrôle Institut Sauvegarde Patrimoine National pour rénover et réhabiliter. Projet ça qui a commencé depuis son administration passée doit finir dans un titan qui pas trop loin d'après propos chef gouvernement. N'a pas continué parler sous affaire touriste là pour nous faire connaître dans occasion 41e conférence les lundis de la presse ministère communication recevoir lundi 7 mai ministre touriste là Colombe Émilie Jessie Ménos. Dans occasion ministre Jessie Ménos annoncé un ensemble travail li dit ministère a réalisé dans le secteur touristique là pour permettre plus de visiteurs rentrer dans le pays. Les affaires touristes, c'est affaires tout le monde, c'est non une campagne qui visait impliquer tous les citoyens dans les affaires touristes pays pour un plus bon résultat, d'après précision ministre qui était dans le micro Rachel Saint-Fort avec l'Aurore d'Arly Jean-Jacques. Bien sûr qu'il y a une augmentation au niveau des arrivées touristiques. Nous passons de 2015 à 2017, nous passons de 1 242 426 en 2016 et en 2017 nous à 1 480 799. Mais au point de vue des investissements au niveau du ministère du Tourisme, nous avons appuyé au niveau de la commission interministérielle pour les investissements. Nous avons appuyé près de 8 projets d'investissement touristique, dont 6 dans l'hébergement et 2 dans le transport touristique. Alors dans l'hébergement, on a Extase Hotel, Valparaiso, Annabelle, Coin du Village, Manoir Adriana, Calico Beach. Et dans le transport touristique, nous avons Pluragent, Sixte et Logistique. Alors, ces 8 projets, en réalité, totalisent 35 251 092 dollars américains. Et ces six projets d'hôtels devaient voir la construction de 254 chambres. Les projets touristiques vont créer près de 450 emplois directs et 900 emplois indirects. OK. Et bien sûr, tout ça là, prouvez-nous, je vous dis, que oui, que gagner travail qu'a fait au niveau du secteur touristique. Mais cependant, question pour demander nous, pour qui ça que je dis que Haïti qui a toute potentialité touristique ça yo, pour qui ça que Haïti pas qu'à recevoir entre 6 à 10 millions de touristes. Question simple, après une année nous réaliser un travail qui est super important qui relie un diagnostic institutionnel. Diagnostic là permet nous voir plusieurs bagailles. Premier bagaille que le fait nous comprendre au niveau du ministère tourisme, c'est que le ministère là n'est pas outillé pour répondre à toutes missions et attributions. Premier bah, simple que m'a dit non, par exemple au niveau des directions départementales, ministère tourisme présent seulement dans 3 départements dont le Nord, le Sud et le Sud-Est. Bien sûr, on considère l'Ouest, mais en réalité, il n'y a pas de direction départementale au niveau de l'Ouest. Donc, de ce fait, ministère l'entour, on a regardé que il y a un pile de travail qui était réalisé, et pourtant, on a regardé que il y a certains travaux d'aménagement qui étaient faits, et pourtant, tout net tombé en désuétude. Qu'on y a là, ministère touriste, pas jamais équipé pour gagner en direction d'aménagement des sites touristiques.
Et ça, lui-même, bon, automatiquement que Noël, nous te voyons encore un week-end dans tout, que moi-même avec le premier ministre, le ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, le directeur général ISPAN, côté nous allons visiter certains sites, et côté que nous-mêmes nous proposé tout, de façon que le ministère touriste, journée aujourd'hui, est capable de remplir le rôle. Nous avons quitté le dossier touriste pour nous continuer, pour nous faire connaître, j'en te dis, dans le grand titio, dans l'occasion, journée communale patrimoine, commune Carrefour. L'aménagement des sites touristiques. Et ça lui-même bon automatiquement que Noël nous te voyons encore un week-end dans tout que moi-même avec le premier ministre le ministre des Haïtiens vivant à l'étranger le directeur général ISPAN côté nous allons visiter certains sites et côté que nous-même n'a proposé tout de façon que le ministère touriste journée aujourd'hui est capable de remplir le rôle. N'a pas quitté dossier touriste là pour nous continuer pour nous faire connaître j'en te dis dans grand titio dans occasion journée communale patrimoine commune Carrefour plusieurs élèves avec directeur l'école commune Silla participer lundi 7 mai dans une journée débat exposition Corail Pestel pour arriver Carrefour Zaboka na Pestel chef l'état chita ak élu local yo pour tendre besoin yo. Besoin moun sa yo pas tellement centré sur route là encore mais kounya pou de l'eau l'école ak sante santé. Président quand on parle de l'eau on voit la vie dans Pestel pa gen la vie parce que plus de 80% de la population pestelloise n'ont pas accès à l'eau potable. Alors que nous gagnons dans nos villes qui situe en 3e et 4e section commune Pestel et c'est un temps ça qui est alimenté son nature de récupérer tout de suite après, président Jovenel Moïse t'a parlé avec population en sous bord mer pour le présenter au projet administration là pour le réaliser dans commune Pestel ak section communale yo. Quelques projets ça yo a exécuté pendant année 2018 là. Nous demandons vote, c'est promesse de nous engagement avec nous. Engagement pour tout ça nous a gagné comme revendication, moi-même, pour me mettre en cap pour me réaliser. Pendant 2 ans, nous avons présenté le problème de Stella. Nous avons dit, magistrat, ça, monsieur Abdina, est-ce que vous même comme magistrat, n'avez besoin de paix dans la ville de la Bouvelle? Moi, je viens de dire, même là, nous tournons pour route, pour l'eau, pour courant, pour l'hôpital, pour le commissariat. Caravane changement commence travail construction route Carrefour Zaboka Pestel-là qui est environ 15 km. Li rentre dans quatre visions chef l'état gagne pour connecter commune yo une à l'autre et puis pour construire 4000 km route dans tout pays avant mandat la fini. Et puis technicien caravane changement yo commencé travail dans plusieurs rivières qui ont fait dégâts dans le département l'Ouest les saisons la pli. Président républicain Jovenel Moïse fait une visite constat samedi qui était 5 mai dans rivière Momence dans Léogane pour garder qui j'en travaille courageux avancé. Travail ça qui gagne plusieurs phases exécution doit permettre habitants dans Léogane de m'y caposer pendant saison la pluie. Reportage Sabine Jean-Étienne avec Jean-Naël Duvernay. Caravane mette accent actuellement sous 3 gros rivières dans le département l'Ouest là. Rivière Coujol dans Akaye, rivière Blanche dans la commune Gantier et ici là. Côté n'a regardé image ça yo, c'est rivière Momence dans Darbonne, commune Léogane qui connaît la cause gros dégâts les la pluie tombée. Faut dire nous avons 3 jeux équipements. Chaque jeu équipement ça a une capacité pour curer plusieurs kilomètres de rivière chaque mois. On a curé rivière Momence pour nous arriver jusqu'à embouchure. C'est même gens rivière Blanche-Tout. On a curé rivière Blanche-Tout pour nous arriver jusqu'à ce que nous allons mettre de l'eau à côté des supposés rivières. Sous rivière Blanche, nous avons près de 16 kilomètres. Sous rivière Momence, nous avons une dizaine de kilomètres. Mais nous comprenons ce que ça veut dire. L'équipement là, c'est vrai. L'argent pour acheter gaz. L'argent pour payer. Tout ça, l'État haïtien, dans le rapport que l'on a avec Bayer, nous travaillons ensemble dans un programme à travers le ministère de l'Agriculture pour nous respecter le programme ça dans la reddition de compte. Parce que l'argent dépensé, il faut rendre compte qui ça le fait. Le ministère de l'Agriculture, j'en ai toujours dit, caravane dans son stratégie,
mais c'est le ministère de l'Agriculture qui a mené le programme. Ça. Caravane a besoin plus d'équipement pour permettre le travail à l'avancée plus vite dans l'autre rivière qui représente un danger sous territoire. Ça qui nécessite plus budget, d'après chef l'État qui expliquait l'intervention de SAO a fait en deux phases. Première phase du programme, nous mettons pour nous durer 300 km rivière dans le pays. Deuxième phase, nous voulons lancer pour curer encore 300 km rivière. Ça veut dire, dans la première phase, non seulement nous curer rivière, mais nous prévoyons faire ce sarrelé des réservoirs en amont par rapport à rivière pour nous permettre que l'alluvion a sorti dans le monde, nous avons côté au cap campé. Et puis chaque année, en vent saison, la pluie arrive, nous curer réservoir sarrelé. Ok? Et réservoir sarrelé, il a permis à l'alluvion de descendre dans la mer encore. Moun yo très enthousiaste, représentant Bit qui est avec nous, yo très content ça ouais. Et me pense que nous allons travailler ensemble et une belle annonce que vous faites nous. Après 14 mois depuis que l'État ici a boumé avec Mec Moyen, pour support budgétaire qui a venu de la Bible, un support de 40 millions de dollars qui a venu sur support direct, plus d'autres accompagnements que vous avez fait avec nous dans le niveau ministère de l'Agriculture, dans le niveau ministère des Travaux publics, dans le niveau ministère de l'Environnement, pour que le travail ne soit pas campé pendant 4 ans qu'il y a venu pour un travail qui a fait de protection de rivières, pour protection de berges qui a fait dans le pays. Il y a environ 59 rivières sur tout le pays qui ont besoin de faire curage à endiguement. Grâce à ce travail, sa yo, mon ak bétail et puis plantation a suspendu péri dans l'inondation. Les la pluie fait 2-3 jours à tomber. Merci Sabine Atnael. Moment arrivé pour nous prendre l'autre pause, amis téléspectateurs. Restez branchés. N'a pas retourné tout de suite. Merci parce que nous avons toujours été branchés. Information sous télévision nationale d'Haïti. N'a pas poursuivre ensemble avec sénateur département Nord-Est, Jean-Jacques Sauveur Jean, qui encourageait l'initiative chef l'État, Jovenel Moïse, pour mettre campé État généraux sectoriel. Eh bien, parlementaires ont souhaité gagner plus de dialogue qui fait dans la vie nationale, là, et en façon pour permettre tout secteur représenté et puis créer moyen pour société incapable d'avancer. Dites dans le micro, Eliezer Kolo avec Moïse Wilbridge, l'abdino plus. État généraux sectoriel de la nation, t'as capable d'une bonne idée si nous avons l'autre forme de culture. Côté que à travers le dialogue, nous t'es comme si m'tadou, initier des dialogues sincères, francs, qui t'a capable permettre que nous sortions des solutions. Mais en général, et nous, on est des marrons, côté que l'un nous réunit pour parler d'un problème, c'est pour nous contre qui ça, pour nous faire l'autre qui est plus grave. Donc, ma patente à ce que nous jouons nos résultats au bout. Mais cependant, je ne suis pas trop optimiste en ce qui a trait à démarche. Parce que j'étais là le jour du lancement de ce mouvement. Je connais, je sais que le président Jovenel a de bonnes intentions. Mais cependant, le problème n'est pas le problème d'un homme. Le problème sont sociétés qui ont maladie que yo poko même découvrir. Tout le monde peut, quand on t'a dit qu'il maladie société a gagné. Or, pour résoudre un problème, pour traiter une maladie, il faut découvrir. C'est ça que fait vos analyses lorsqu'on est malade, quand le docteur, pour qu'ils définissent et déterminent qui sorte de maladie ou qu'ils vont prescrire un médicament. Société haïtienne est malade et tout le monde peut dire qu'il maladie le gain. J'ai l'impression qu'il faut même découvrir. Et puis, nous allons poursuivre avec le président République Jovenel Moïse, avec le ministre de la République ingénieur Fritz Kayo, qui présentait le travail qu'a réalisé dans le cadre de caravane changement dans la ville Arcaïe, dimanche qui était 6 mai. Dans l'occasion, chef l'État remet plusieurs matériels par responsable commune ça. On suit. Excavatrice, camion à Claudet, c'est quelques matériels président République là, Jovenel Moïse, remet par responsable TPTCO dans la ville Akaye. Chef l'État, t'es profité lancer dans la zone coloniale, travail qui rage rivière Coujol. Des Massayo, rentrer dans quatre caravanes changement qui visait renforcer travail qui rage rivière à construction route dans la zone ça. Plusieurs citoyens exprimaient contentement pour le travail qui a déjà commencé dans la rivière Coujol. Pendant qu'ils ont expliqué, les difficultés sont souvent rencontrées dans la zone pendant la période de la pluie. Moi-même, ça me et c'est le livre de la population d'après-midi.
tout côté de faire courbio par exemple qui parle droit yo pour nous ta gagne grabion pour nous mettre dans courbio et puis pour fouiller rivière prendre depuis en bas sous lance en puis river en bas pour monter en haut et gagne parfois rivière prend bête nous gagne parfois rivière crase en puis jardin nous pour ça moi dans rivière c'est première fois dans histoire que moi ouais gagne une autorité pays a qui pensait avec nous-mêmes jeunes Koujol, avec grandeur Koujol, parce que ça va que j'aime faire même dans l'histoire. Le président de l'Opron l'a encore pour être capable de satisfaire, pour nous satisfaire, le président de salver pour nous. L'aide doit descendre, pas de passage. Même à pied, même sous moto, même sous bicyclette, on ne peut pas passer parce que l'aide doit couvrir pour en aide. Pendant ce temps, si ça a été fait, il n'y a pas de l'aide doit descendre, on ne peut pas passer sous bicyclette, à pied, même sous machine. Ouais, ça nous, et me féliciter le président. Parce que la débia iné, il faut qu'il soit pour en déboucher des ventes pour le cas où ça a fait là. Je félicite pour patience et pour compréhension parce que et pas tout le monde qui a prêté des biens iné jusqu'à ce que de l'eau débouche pour être là, jusqu'à ce que de l'eau passe en bas pour un. Là où le président sous travail, ça l'a fait à le remettre livré pour payer avancer. Moi, depuis petit monde m'a passé là, depuis rivière à descendre, c'est maman qui pour une traverse au sous d'eau. Les fins traversent, l'eau tourne encore pour retirer les bagages pour traverser. Mais quand il y a des messes de vêtements, il y a des écoles. Il y a des passés parce que l'eau passe en bas normalement. Ça porte un peu de changement parce que l'eau descend, elle écrase les jardins. Depuis le temps paré, il faut veiller de l'eau pour l'eau descendre. Mais quand il y a là, bon, pour ça commence aujourd'hui même. On commence à satisfaire parce que si quelqu'un est concerné, bon, nous sommes heureux ici. N'a pas rappelé pont qui sous rivière Koujol était fait depuis 1928 et c'était dans l'année 1978 dernière fois tu gagne un travail qui rage qui était fait la donne et grâce à leadership président Jovenel Moïse travail ça a réalisé dans moins passé yon journée. Un reportage d'Arline Dorival avec Michaud Joseph. Nous t'ai parlé de ça dans Grand Titiotou, Collège Canado-Haïtien, organisé pendant le week-end là. Troisième édition, Salon Compétences à Compétitivité. Activité ça qui déroulait dans le local collège là. C'est occasion pour direction l'école ça a inauguré une salle conférence qui porte nom Jean-Lucien Ligondé. Anne-Marguerite Auguste et Hervé Pierre t'ai fait déplacement et un reportage. Salon Compétences l'enseignant espace Collège Canado haïtien créé pour faciliter diverses entreprises exposées œuvres et puis faire promotion pour produits locaux. Directrice générale Institut national avec formation professionnelle là Maggie Durcé salue engagement Collège Canado prend depuis 3 années. D'après lui, activité ça a créé espace tout pour valoriser métier professionnel yo et puis encourager jeunes yo pour apprendre un métier professionnel. L'INFP et le Canado Technique, nous visons plus haut, nous rêvons pour que ce ne soit pas seulement les métiers traditionnels qui sont présentés et on espère l'année prochaine on aura un défilé de mode, mais nous avons aussi dit qu'il nous faut aller encourager les jeunes et amener pour eux des métiers de qualité, par exemple les métiers de l'aviation, les métiers de la technologie, les métiers et qui transcendent, qui peuvent et aider les jeunes à se valoriser mieux. Troisième édition Salon Compétences Lente et occasion pour direction Collège Canado inaugurer une salle qui porte nom Jean-Lucien Ligondé. Responsable éducation Collège Canado, frère Lucien Durand, explique que la salle là porte nom ingénieur Jean-Lucien Ligondé comme un ancien élève Canado et pour modèle qui représente journée jeudi à la société. Jean-Lucien Ligondé est un modèle de citoyen, c'est un modèle d'homme qu'on peut recommander à la jeunesse. On peut féliciter quelqu'un, on peut le remercier, mais cette salle va durer longtemps. Et tous les étudiants qui vont passer dans cette salle vont se rendre compte qu'avant eux, il y avait des modèles. Ingénieur Jean-Lucien Ligondé remercie le directeur à Collège Canado haïtien qui immortalise à travers salsa qui porte nom li. Éterniser le nom de quelqu'un en Haïti n'est pas déjà un pari facile. Haïti fait partie de ces pays où l'on détruit toujours cela qui s'offre à ce pays. Haïti fait partie de ces pays où l'on détruit ses modèles. Le Canado Technique, pour moi,
n'est pas un simple symbole. C'est le levier qui a permis que je sois ce que je suis aujourd'hui. Directrice générale INFPA, Maggie Diossé, promet la organiser défilé mode l'année prochaine dans l'occasion Salon Compétences Collège Canada à organiser. C'est une initiative qui a montré capacité talent jeune. Salon Compétences là offre opportunité à tout secteur pour montrer ça qu'on fait. Merci Anne et Hervé. S'infirmer pour mieux servir, c'est sous thème ça, responsable église Hébron, réalisé 4e édition Journée Technologie dimanche qui était 6 mai. Initiative SILA visée et des jeunes yo comprennent et puis jouit avantage technologie offrie. Dans l'occasion 4e édition ça, plusieurs activités qui ont rapport à technologie te marqué Journée SILA. Rodney d'Orléans avec Rémi Godjit pour un reportage. Installation jouet pour Timoun, disposition internet pour permettre moun qui gen laptop ou soit téléphone intelligent dans espace la naviguer, conférence, débat sur façon utilisation technologie a dû faire. C'est quelques parmi diverses activités qui t'est marqué Journée Technologie ça. Ça fait déjà 8 l'année depuis direction communication dans l'église Hébron te prend décision pour mettre campé initiative ça. Dans l'idée pour aider jeunes yo comprendre ça qui technologie a et puis qui gens yo ka servi ak li dans domaine ya pévolié. C'est depuis 2010 nous gagne mouvement ça après tremblement de terre et nous t'ai estimé que technologie en tellement pas avancé et puis l'église pas de gagne en portée sociale nous t'ai dit pour ça qu'une pas rentrer technologie dans l'église d'autant plus que jeunes yo utiliser technologie donc mieux vaut yo prendre bon outil yo pour capable mieux et fonctionner du moins pour capable mieux agir. Technologie, c'est un outil de communication qui permet de nous rester connectés avec une famille ou soit un ami à distance. Nous sommes capables d'utiliser le tout pour nous faire passer une information sans ne pas obliger de partager une image qui ne dérange personne. Lorsqu'on utilise le même outil ça, pour faire mauvaise information passer, pour faire information qui vraiment a créé problème passé, là, au fond, au bagage qui pas bon. C'est là, moi, parce que moi-même, tout, dans Internet, je travaille là-dedans, même si c'est communicateur, je travaille dans Internet chaque jour, je la donne. Mais c'est qui ça me fait avec? Si je prends le cougnat là pour qu'on un monde qui blessé un accident, pour me faire photo pour y aller, mais combien de monde qu'on aime choquer, l'aime fait ça? Combien de monde qu'on aime mettre dans le problème, l'aime fait ça? Édition Journée Technologie 2018, là, c'est l'occasion pour plusieurs jeunes entrepreneurs de bailler explication. Sous façon yon moun ka commande produit yon fabrique sous réseau social yon. Jouen diplôme dans n'importe discipline à distance, paye en ligne et puis jouen service toute qualité sans ou pas obligé de déplacer. C'est quelques parmi divers avantages yon moun ki gon téléphone intelligent ou soit n'importe l'autre appareil qui gen accès à internet ka bénéficier. Merci Rodney ak Rémi. Chambre commerce haïtienne de Georgia en partenariat avec Georgia Institute of Technology et puis God Ministries annoncé dimanche 6 mai un séminaire formation dans le domaine énergie soleil a gagné pour réaliser à partir jeudi lundi 7 mai pour arriver mercredi 9 mai. Représentant Chambre commerce haïtienne Georgia, Joseph Max VV2, a porté plus d'explications dans le micro Louinel Jean-Louis avec Rémi Godjit. Ce programme consistera en 3 journées de formation comportant 3 volets. Un volet théorique, un volet pratique et un volet technique. Et un volet entrepreneurial, je voulais dire. Il aura lieu du lundi 7 au mercredi 9 mai 2018. Les interventions seront faites par de jeunes experts du prestigieux et Georgia Tech Institute of Technology, classés parmi les meilleures universités américaines. Durant le premier jour, les étudiants auront une introduction générale à l'énergie solaire. Le deuxième jour sera consacré à la conception et l'opérationnalisation du système solaire. Le troisième jour, les étudiants apprendront comment monter des plans d'affaires et des méthodes de gestion d'entreprise. Le partenaire privilégié de ce projet en Haïti est l'ESIH, École supérieure d'infotronique d'Haïti. Par ailleurs, dans le souci de permettre à des jeunes étudiants d'autres régions du pays, en particulier de la région nord du pays, de bénéficier de ce programme, des étudiants de la filière sciences de l'éducation option physique au campus de l'Université d'État d'Haïti à Limonade et d'autres universités ont été également sélectionnés.
Les participants ont été recrutés à l'issue d'un processus de sélection rigoureuse et transparente. Le programme leur est offert gratuitement. Ce programme qui voudrait s'aligner sur les objectifs de développement durable des Nations Unies, particulièrement l'objectif numéro 13 concernant les mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques, et la philosophie de la Chambre de commerce haïtienne de Géorgie aux USA, élaborée par son président M. Sorel Quétan, vise surtout l'autonomisation des jeunes par la promotion de l'entrepreneuriat. Nous allons poursuivre pour nous faire connaître le messager. C'est nous, journal Mouvement Chrétien pour une nouvelle Haïti, Mokrena, lancé officiellement dans l'objectif pour diffuser message et puis faire connaître plus vision Patissila. Président Mokrena, ancien député Sadrak Dieudonné, expliqué directoire Patien Abgain pour lancer un site web dans le jour Cap Vinilayo. On suit plus précision. C'est important pour nous inaugurer le journal Patia qui entre dans la droite ligne politique nous pour nous transformer Mokrena, pour nous moderniser Mokrena. Parce que en tant que parti politique qui aspire à prendre le pouvoir, pour nous adresser les problèmes qui gagnent dans le pays, faudrait-il que nous-mêmes, tout nous moderniser tête nous. Parce qu'on n'est pas capable de bailler ça que nous-mêmes ou pas gagner. Son bimestriel, donc chaque deux mois, c'est même partie qui écrit dans le journal là. Mais l'autre monde capable de bailler contribution à ce journal là, et est capable de proposer nous des articles à caractère scientifique. Et nous sommes capables de publier dans le journal là. Oui, c'est gratuit. Sauf que nous avons un page de garde et nous faisons mention ça et prix don volontaire. Donc nous demandons à ceux qui reçoivent le journal là, bien entendu, pas nous même aujourd'hui, mais à l'autre monde qui reçoivent le journal là, et pour nous faire nous un don volontaire, parce que c'est ça qui met nous à l'abri. Et à l'abri de faire feu de paille. Parce qu'en Haïti, et il n'est pas facile pour qu'il y ait un journal, puisque il manque un lecteur pour le journal. Donc nous espérons que les gens qui comprennent la démarche noire, eh bien, les gens ont contribué de telle sorte que le journal est capable de pérenniser et régulièrement, chaque deux mois, un nouveau numéro de Le Messager capable d'éditer. Voilà, nous sommes suivis précision, président A.I. Mokrena, pasteur Sadrak Dieudonné, qui était dans le micro, Louinel Jean-Louis et Jasmin Donny. Nous allons poursuivre avec information, yo, ensemble avec Première Dame République, là, Martine Moïse, accompagnée ministre Santé publique et Population, hein, Dr. Marie-Greta Roy-Clément, qui visitait samedi 5 mai an, l'hôpital sanatorium Port-au-Prince dans l'idée pour qui problème l'hôpital Silla a confronté. Comme l'hôpital ça spécialisé surtout dans le traitement maladie tuberculose, première dame Martine Moïse t'a profité occasion. C'est non seulement avec chapeau première dame mais également avec chapeau président CCM qui c'est comité de coordination multisectoriel qui l'a pour coordonner fonds, subvention fonds mondiaux pour tuberculose, pour sida avec malaria. Dans le cas de ça, gagner des chiffres l'année dernière, parce que le chiffre année ça pour vraiment dehors, il y a 15 000 cas de tuberculose que tout mettait sous traitement. C'est ça qui est bon, hein, parce que gagner des centres qui sont tout partout dans le pays. Dans chaque commune dans le pays, il y a au moins un centre de prise en charge. Sauf deux communes seulement qui n'ont pas gagné parce que après des années, ils n'ont pas vraiment gagné cas dans la commune, ça, donc ils ont désaffecté les gens et voyaient l'autre côté. Donc, si vous avez tout le travail qui a fait dans la tuberculose, là, moi, oui, l'avenir là, on tient plus clair. Ça veut dire que dans l'horizon 2030, là, gagner possibilité vraiment pour ne pas gagner aucun cas de tuberculose. Mais pour faire ça, il faut que la population aide nous. Si nous sommes voisins, voisines, on freine, on se noue, on tout ce qui était sous lui. Pendant un bon petit temps, pas j'en passé, encourager à le faire test lui, depuis lui positif, il a tout mis sous traitement.
gagné tout 129 cas que joignent jusqu'à présent des cas qui résistent. Le monde qui t'a commencé traitement yo, qui senti yo bien, qui pas fini traitement et qui vini rechuter. Donc ça yo c'est plus grave parce que là yo même y a transmettre maladie à ces gènes résistants que yo gagnent, c'est lui même qui transmettre qui va carvine ben non plus cas de résistance parce que là cas pas résistant sous 6 mois mon n'a guéri parce que il prend médicament, il prend traitement mais yo dit que le cas résistant, il prend beaucoup plus que 6 mois. Donc là ça et médicament est beaucoup plus cher. Donc n'a pas encourager tout le monde qui connaît que bon monde bon la cali cap tout ce qui ouais comme on n'a pas trop bon, fait là dans cette qui puis près là qui occupé de ça quand elle ca fait test li. Et si jamais l'état positif, il est capable de mettre le sous-traitement. Moment arrivé pour nous jambes dans l'actualité en l'autre bord de l'eau, mais bien avant, nous prenons un coup de pause, nous tournons tout de suite. Et puis, je vous ai déjà annoncé, nous jambes dans l'actualité en sous-plan international pour nous faire connaître les gens dans le grand titre. Président Vladimir Poutine prêtait serment pour un quatrième mandat dans tête pays, la Russie, jeudi lundi 7 mai 2018. La cérémonie investiture déroulée dans le Kremlin en présence de 5000 invités. On suit. Président Poutine parti pour un quatrième mandat dans tête pays, la Russie, lundi 7 mai. Côté cérémonie investiture déroulée dans le Kremlin devant 5000 invités. Vladimir Poutine était élu première fois dans l'année 2000. Côté c'est seul président qui rivait fait 18 années sous pouvoir. C'est seul président Staline qui passait plus de temps sous pouvoir. Pays la Russie, c'est pour nous tous. Il y a un pays chaque monde capable de réaliser. En tant que chef d'État, je fais tout ça qui est dans moi-même pour me renforcer puissance là à prospérité gloire pays ça, d'après président Poutine. Président Poutine est encore dans le mois de mars passé, avec presque 77% voyous. Qui ses premiers scores l'y réalisé depuis la participation à l'élection. C'est dernier mandat Poutine après 2024, d'après Constitution, pays la Russie. Toujours en actualité en l'autre bord de l'eau, transfert ambassade américaine qui n'en Tel Aviv pour ville Jérusalem prévoit pour 14 mai 2018 l'an. Décision ça adoptée suite à volonté président américain Donald Trump qui était officialisé reconnaissance Jérusalem comme capitale Israël dans le mois décembre qui s'est passé. On suit. Installation ambassade américaine dans Jérusalem possible lundi 7 mai à plusieurs ouvriers posé premier panneau qui va direction bâtiment cap l'ouvrir 14 mai prochain. Yon ouverti symbolique dans place yon nouveau construction qui risque printemps, ambassade la pral loger dans actuel consulat américain dans Jérusalem. Inauguration ça inscrit dans cadre création 70e anniversaire état hébreu, yon nouveau responsable palestinien Saeb Erika dans un communiqué fait appel à tout corps diplomatique là, société civile là et autorité religieuse pour boycotter inauguration ça. Décision transfert siège ambassade américaine qui dans Tel Aviv dans Jérusalem montré président américain Donald Trump mettons bout à plusieurs dizaines d'années diplomatie à consensus international, les sites soulevés par les palestiniens qui veulent faire Jérusalem est la capitale état payo. Autorités palestiniennes ont déjà annoncé qu'elles vont camper toute négociation accord pour la paix sous surveillance États-Unis. Sous initiative Fédération nationale Femmes Magistrats Haïtiens FENAFEM, il y a un forum de jour l'ouvri lundi 7 mai à Nampétionville en présence pour femmes élues. Lancement forum s'est déroulé en présence président République Lan, ministre intérieur à collectivité territoriale Lan, ministre conditions femmes avec droits femmes Lan, président Sénat République Lan avec diverses autres autorités. Dans quatre caravanes changement, président Jovenel Moïse visité pendant week-end passé à travail construction Wood Pestel dans Grandance à travail curage rivière Moments dans Léogane dans département l'Ouest. Dans occasion journée communale patrimoine dans commune Carrefour, plusieurs élèves et directeurs l'école commune Silla participé lundi 7 mai dans une journée débat.
Premier ministre Jack Gila Fontan, accompagné ministre Tourisme en Colombie, Émilie Jessie Ménos, avec plaisir élu dans le département de la Tibonite, visité pendant le week-end l'an, palais 365 portes dans la commune Petite Rivière de la Tibonite, à la commune Marchand des Salines. Ministre Tourisme, Colombe Émilie Jessie Ménos, pote précision sous campagne, affaires touristes, ses affaires tout le monde, pendant ta participé jeudi à la 41e conférence lundi de la presse, ministère communication.